Chambon, Paul, Bernardo, Berthelot, Seuil, Bordeaux, Arras, Dima, Laurent. Qui nous donne dans l'ordre les voitures 1, 2, 11, 3, 7, 14, 9, 13, 6, 8, 12, 4, 10 et 5. Les tours, j'ai attendu le cinquième passage pour tous les pilotes. Voilà, on a Offenberger qui attaque maintenant la partie banquille en tête, suivi normalement de Micronaut. Offenberger, je vous dis ça tout de suite, top pour la 1-5 en 2.57, 2.58 pour Renault, Carvalho 2.59, Miroir 3.00, Fège 3.05, Pollat 3.07, Chambon 3.10, Berthelot 3.11, 3.12 pour Bernardo, Seuil 3.13, 3.15 Borgio, 3.16 Arrache. Voilà pour ce qu'on fait pour l'instant, 5 tours. Donc Offenberger est tout de suite derrière à 8 dixièmes, on a la voiture numéro 2 de Micronaut. Carvalho est en embuscade. Alors la voiture de tête, c'est celle qui est maintenant comme au montage. Tout de suite, et c'est Miroir qui a pris la troisième position. C'est ce qu'il m'a semblé. C'est une voiture dominante violette Rossica. Offenberger, Renault, Miroir, Carvalho, CG. La 5, c'est Laurent Miguel. Terminé? Non? D'accord. Alors, tiens, Julien a réussi à se dégager un peu de marge. Et là, on a Sam Miroir qui fait le contact avec Micronaut. Sam Miroir, meilleure sortie du tire-bouchon, prend l'extérieur, décroise. Je redescends, elle va faire l'intérieur peut-être au montage, maintenant, non, peut-être au freinage suivant, oui, ah, là, dommage.